Salut à tous, c'est Peter et on se retrouve pour un l'épisode de Sky Adventure qui est, je m'excuse, en retard. Se trouve pendant qu'un petit moment j'ai eu des petits problèmes internet, non pas parce que je possède une connexion de chez Free, parce que contrairement à ce qu'on pense, les connexions de chez Free sont plutôt bonnes, mais parce que je me tape une connexion en mousse de chez Orange. Putain, et moi qu'on nous installe la fibre optique. Donc je vais prendre quelques affaires pour la route. Je vais peut-être quand même me faire une épée, que j'ai de quoi me défendre. Peut-être prendre mon arc et les flèches. Ouais, ma cobble. Il fout dehors lui. Comment il est arrivé là? Ah. Pas vrai ça. Comment il est fait pour sortir? Bizarrement, j'ai une petite idée. Cette fois-ci, je vais aller explorer. Allez, hop. Oups. Je vais retourner sur l'île où a atterri Pollux. Ah, c'est bien calme pour une fois. D'abord, avant d'aller explorer cette île, je vais juste aller voir une grotte. Ah oui, là par contre, il y a du people. Là, ça va, c'est calme. Bon, je vois que j'ai pas d'autre choix. Il est. Mais il est où? Sérieux, quoi. Merde, j'ai plus de flèches. Bon, bah, je vais le laisser tranquille. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas une armée de monstres comme... Merde, où est-ce que je pourrais passer? Pour essayer de monter là-haut, parce qu'il y a du charbon. Putain, y a plein de bruit, je sais même pas d'où ça vient. J'aimerais bien aller là-bas, moi.
Et je veux pas me faire un pont, ça va être trop chiant, ça va me coûter pas mal de ressources. Regarde, il y avoir quelque chose là par ici. À moins que j'ai déjà que j'ai raté le passage. Ah oui, voilà, c'est en dessous. Putain, comment je peux passer? Bah, il y a du people ici. Putain, j'entends un squelette et je sais pas du tout où il est. Moi, je tomberai pas. Et ici non plus. Bon, alors voyons voir ça. Dis! Dégage ton âme! Bon. Tu vas rejoindre notre cher Dieu. Putain, il m'a fait peur celui-là. Là, je vous le cache pas, là, sur le coup. Putain. C'est tout? Combler un certain trou, ça m'évite. Oh non, pas ici. Oh bah au moins, j'ai un endroit à explorer. Yves! Non, tout n'est pas ça! Non, 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 non! Bon bah tant pis. Il est tombé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des galeries au-dessus. Bon, c'est bon à savoir. Ah! Je suis repéré. Bon, écoute, en squelette, tu vas arrêter de me faire chier! Oh non, dégage le creeper! Ah bah parfait, je l'ai envoyé dans le vide. Je l'ai envoyé dans les profondeurs de l'enfer. Oh mon dieu! Ah, il y a un monde fou ici, donc. Oh non, 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 non. Non, ça va me suivre partout, c'est pas possible. Ah putain. Falloir que je réaménage tout ça. Oh, il fait une nuit géniale.
Mais crève! Bizarrement, je sens que je vais pas revenir d'ici vivant. Oui. Ah, mais on peut jamais m'y aller tranquille, putain! Mais il y en a combien? Ok. Il va me faire mal, lui, avec sa poudre à canon. Mais c'est une horde, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, les zombies attaquent en groupe maintenant. J'avais complètement oublié. Maintenant, les zombies attaquent en groupe. C'est pour ça. Oh, génial. Mais crève! Oh putain. Ah putain. Bon, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.